Het worden twee drukke weken voor de dansliefhebbers. Béjart in het Koninklijk Circus, Morris in de Munt en het Ballet van Vlaanderen in de Antwerpse Opera. Dat laatste stelden we in september al voor. Morris krijgt u morgen en dus wordt het vandaag Béjart. Naast hernemingen van Béjart, klassiekers als Le Sacre du Printemps en Bolero, tussen 14 en 19 november, brengt het Béjart Ballet Lausanne tot 12 november het totaalspectakel 1789 et nous. Het is een evocatie van de Franse Revolutie, een beetje, en van de lessen die ze, volgens Béjart, voor de toekomst van de mensheid inhoudt. Het is vooral een gigantisch spektakel met zo'n 100 dansers, muzikanten en acrobaten op muziek van Beethoven, etnische en elektronische muziek. Disons que c'était l'année de la Révolution, mais j'ai voulu faire un ballet qui ne parle pas tellement de la Révolution française, mais qui parle de l'avenir du monde, qui parle de l'écologie, qui parle de la famine, qui parle du tiers-monde, qui parle de la misère et qui parle du dollar. Je crois que nous sommes arrivés à un moment où s'il n'y a pas un système mondial, voyez, la planète va éclater parce qu'il faut qu'il y ait un contrôle. Parce qu'avant, il y avait des provinces, puis il y avait des pays, puis il y avait des continents. Mais maintenant, lorsqu'on brûle une forêt dans un pays ou lorsqu'on détruit la mer dans l'Antarctique, nous souffrons tous la même chose. Donc je crois que nous sommes tous unis, voyez, asiatiques, américains, européens, on a les mêmes problèmes. ...1789 en wij door het Béjart Ballet Lausanne... ...tot 12 november in het Koninklijk Circus in Brussel. Een van de boeiendste concerten op het jongste Middelheim Jazz Festival... ...was dat van de 32-jarige Amerikaanse pianiste Jerry Allen. Samen met twee heel grote namen uit de hedendaagse jazz... ...bassist Charlie Hayden en drummer Paul Motion... ...speelt ze maandag in de Monty in Antwerpen. Thank you.
Het Jerry Allen Trio, maandagavond in de Antwerpse Monti. Wij zijn er morgenavond alweer.